Allez, en kit français. Oui, ça va les cap. Ça va les bois. Ça va les cap. Annie, what? Je suis là, what? 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 เขตทางนี้ที่อยู่เลยตำบลอิงง่องเขตเข้ามาตำบลสีโคตรสีก็กัมพูชาแม่เขตชายแดนใช่ครับไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรนี่มากมากคนไทยดูวิดีโอมากมากนี่ร้อยเกษตรวิสัยกูกระสิงคนเกี้ยไม่เป็นไรนี่กัมพูชา alors ici nous sommes et Doudou Wat allez et regardez J'adore la grand-mère avec son petit-fils. Didi, 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 didi. Oh, ta Tani. Sato. Allez, nous allons faire un petit tour de ce magnifique temple. Alors, il est différent. Alors, j'amène pas beaucoup de gens ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi je fais cette vidéo-là. C'est qu'on est en pleine forêt, on est dans un temple qui est vraiment éloigné de toutes les villes, tous les petits villages. Car le premier village qui se trouve le plus proche de ce temple-là est à 2,5 km. Voilà. Et Kasevisa est à peu près à 10 km. Donc vous voyez un peu ce que ça fait pour ceux qui étaient avec moi. Donc il y en a qui connaissent ce temple avec moi. Ils sont venus avec moi ici. Et bien sûr, ce temple-là, je viens assez souvent. Je viens méditer avec ce grand moine qui, lui, est vraiment un travailleur. Je vais vous montrer un peu son domaine. Je vais vous montrer aussi sa statue où, regardez, c'est la statue du Bouddha rieur. C'est lui qui a voulu cette statue, et regardez, et c'est pas, regardez, il a les fossettes, il rigole, voilà, et si vous regardez bien comme il faut toutes les statues du Bouddha, Bouddha ne rigole pas, voilà, c'est la seule que je connais du Bouddha rieur. Ici, nous avons un stupin, c'est quoi? C'est une tombe. Il y a des ossements d'un moine ici, d'un grand moine. C'est pas celui qui était ici avant. Il a été, on va dire, amené de où il était, dans un grand temple à Bangkok, et on l'a fait venir ici, du moins quelques ossements. Et ici, vous voyez que finalement, c'est pour faire de la méditation. C'est là où je fais de la méditation en marchant avec ce grand moine quand je viens ici. Et on marche autour de ce stupin. Et bien sûr, il y a la statue du Bouddha. Et si vous regardez, c'est encore un Bouddha qui est rieur. Alors, j'ai posé la question. J'ai dit, Lampa, pourquoi rieur? Il m'a dit, je voulais être un peu plus différent des autres. Alors, c'est pas... Bouddha est rigolé. Je ne vois pas pourquoi on fait toujours des statues où ils sont statiques. Et il m'a dit, j'ai voulu faire ça. Donc, c'est lui qui a voulu. Voilà. Il a ses raisons. Puis, il y a d'autres raisons aussi. Donc, regardez. Donc, ce temple-là, ce moine, c'est le moine de la forêt, comme je l'appelle. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'il est en harmonie vraiment avec la forêt. Regardez son temple. Vous avez l'habitude que je vous montre des jolis temples, des magnifiques temples. Et regardez, moi, sérieusement, quand je rentre dans des temples comme ça, j'ai les frissons. J'ai les frissons parce que c'est quand même tellement chargé de bonnes choses que quand on est dans le spirituel, et ça, je vous ferai une vidéo... Parce que les gens n'arrivent pas trop à comprendre quand je dis que
quand on est dans le spirituel, ben finalement, on ressent plus de choses et on ressentira de plus en plus des choses, des bonnes choses bien entendu, mais aussi des mauvaises choses. Donc ça, je ne vais pas faire une vidéo sur ça, juste je vais vous montrer ce lieu magique et fantastique de ce temple du moine de la forêt. Donc vous viendrez, pour ceux qui sont... qui ont surtout envie de rencontrer ce moine, qui est vraiment extraordinaire. Et je vais vous montrer pour quelle raison il est extraordinaire. C'est qu'il emploie du sable, comme vous voyez ici. Il emploie du ciment. Mais pas que ça. Pas que ça. Il emploie de l'argile, de la terre, de la paille. Pour faire. Et là, on se dirige vers sa maison, vers son endroit où on le consulte. Et regardez ce mur. C'est pour ça que je vais là-bas. Il sait que il est de l'autre côté. On ira le voir. Je vous le présenterai. Mais regardez ce que je vais vous montrer. Voilà. Ça. Regardez. C'est tout en argile. C'est fait à la main, comme je vous ai dit. De la terre, de l'eau et de la paille. Voilà, paille de riz qui est ici. Ça garde le frais et surtout, comme il m'a dit, c'est la nature. Il m'a dit, Eric, on peut se soigner avec la nature, avec tout ce qu'il y a sur la terre, on peut se soigner. On peut construire une maison, on peut tout faire avec tout ce qu'il y a sur la terre. On n'a pas besoin de créer des choses qui sont inutile. Donc, oui, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de tout ça. Regardez son lieu de méditation. Donc, il peut m'ouvrir, il n'y a aucun souci. On pourra aller voir dedans, mais il est en train de travailler, on va aller le voir. Donc, ce dôme-là qu'il y a là, c'est son lieu de méditation. À l'intérieur, c'est comme une grotte. Et c'est lui qui l'a fabriqué de ses mains. Comme il m'a dit, Eric, pour être bien, pour être super bien, il faut que tu crées tes choses toi. Parce que si quelqu'un le crée à ta place, ou que tu lui dis de faire, de créer ce que tu as envie, ça ne sera pas ton âme, ça ne sera pas ton esprit qui aura travaillé, mais l'esprit et l'âme d'une autre personne. Et il m'a dit, c'est pour vous dire, il m'a dit une chose que j'ai bien aimé aussi. Il m'a dit, Eric, si cette personne qui travaille a des ennuis chez lui, eh bien, quand il travaillera à ta maison, quand il travaillera chez toi, il t'amènera le négatif. Donc, vous voyez, ça pousse vraiment, 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 pas à l'extrême, mais ces moines-là, ils sont quatre à être ici. Là, ils sont en train de regarder. Ils ont quand même la télévision, mais je ne l'ai jamais vu vraiment, vraiment marcher, cette télévision. Là, ils sont en train de tout enlever pour tout recommencer. Voilà. En fait, je lui ai dit un jour, quand ils étaient... J'ai vu cette maison qui était vraiment, vraiment belle. Je lui ai dit, elle est super belle. Il m'a dit, mais un jour ou l'autre, cette maison, elle partira. Ou cette maison, elle... sera détruite par l'âge. Il m'a dit, et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On enlèvera tout ce qui est vieux et on remplacera. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Là, c'est un petit lieu où l'ompo vient se reposer. Alors, quand je dis reposer, c'est aussi faire de la méditation. Vous voyez qu'il y a un lit. Il se met sur le côté. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur ça. Parce que je ne vous ai pas tout dit sur mes vidéos, bien sûr. Hein. Et il se met là et il médite. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je voulais vous montrer ça. Je voulais. Je gardais cet endroit-là, qui est extraordinaire et magique. Je voulais le garder pour moi et pour ceux qui venaient justement me visiter et découvrir l'Issam. Mais finalement, comme je vous ai dit, de plus en plus,
j'ai envie de vous montrer encore et encore des choses que je ne vous ai pas montrées, que je cachais. Et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ces vidéos-là. Regardez ça. Regardez, c'est tout fait à la main. Alors, il y a deux endroits. Un endroit, le soir, où ils peuvent dormir dedans. Là, il y a un moine qui habite ici. Donc, je l'ai vu. C'est lui qui a construit sa maison. C'est ça que je veux bien vous dire. C'est que ils construisent leur domaine. Ils construisent leur maison. Ils construisent leur douche. Je vais vous montrer. C'est exceptionnel. C'est pour vous dire. Donc, ils font tout eux-mêmes. Ça fait que si ils ont mal fait, eh bien, c'est bien fait pour eux. Mais c'est leur âme, comme je vous ai dit, et leur esprit qui a travaillé avec eux. Ici, c'est la douche extérieure de ce moine. Donc là, il a lavé le conteneur. Sinon, le conteneur, il va être retourné. Il va avoir de l'eau. Et il va surtout se doucher ici, à l'eau froide. Les moines se lavent à l'eau froide. Et regardez, je vais vous montrer. Ici, c'est les anciens WC. Et ici, c'était l'ancienne salle de bain, à l'herbie. Et là-bas, ce que vous voyez, c'est une retenue d'eau. Et on lave le linge et on se lave avec l'eau de là-bas. Pourquoi je vous dis que c'est un endroit exceptionnel, et je le ressens, puisque je suis vraiment dans la forêt, puis je connais cette forêt-là, mais c'est exceptionnel parce qu'on ressent justement beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses pour ceux qui connaissent, ça c'est vraiment extraordinaire. Et regardez cet endroit. Regardez cet endroit. Là-bas, il y a une autre maison où il y a un moine qui habite. Je fais attention parce qu'il y a des chiens. Voilà. Donc petit à petit, ils arrangent petit à petit. Donc c'est un moine, par contre, qui n'a pas beaucoup d'adeptes. Vraiment pas beaucoup. Et il m'a dit, Eric, tu sais quoi? Il me dit, ça ne me dérange pas. Je préfère être seul. C'est ça les moines des montagnes. Ou les moines de la forêt, comme je l'appelle. Mais c'est exactement ça. Ils veulent rester seuls. Ils sont coupés du monde. C'est eux qui s'occupent vraiment de ce monde qui est l'extérieur. Après, il y a des gens qui viennent pour le faire, l'aumône. C'est-à-dire ces gens-là viennent ici leur apporter à manger. Ça, c'est normal. Le village d'à côté, c'est ce qu'ils font. Puis la famille de ce grand moine vient une fois par an en visite. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire des toilettes, des nouveaux toilettes. Dans les temples, c'est vraiment extraordinaire le travail qu'ils font chaque fois sur les toilettes. Voilà. C'est indispensable, c'est comme ça. Donc ici, on est dans le coin où on était au tout début, où il y avait la mamie avec son petit-fils. Et c'est là où on prépare à manger. Regardez. Voilà. Je vais vous montrer. C'est super bien arrangé, c'est super beau. Bon, je suis habitué, bien sûr. Je connais très bien. Donc c'est là où on prépare à manger. Pour les moines, bien entendu, et pour ceux qui travaillent. Et c'est la soupe de poisson. Pas. Hein? Mian. Ah, Yongqing. Donc voilà. Allez, bien. Venez, on y va. Donc, vous verrez des gens travailler au temple comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent faire un tamboun. Ils viennent gratuitement nettoyer, ranger. Voilà.
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่Donc ici on est en train de ranger ce que je en fait je décale un peu la caméra parce que ça va les crapauds. Donc ici ils vont faire des toilettes. Voilà, il y a trois toilettes qui vont se faire. Donc je décale un peu parce que il y a des moines qui sont là et qui sont torse nus et ça se fait pas. Voilà. Donc ça je le sais, mais je préfère vous le dire. Voilà. Vous allez voir un peu la maison qui a été faite en terre cuite, du moins pas cuite, mais comme je vous ai dit, avec de l'eau, avec de la paille. Regardez, cette maison est faite comme ça. Et regardez, il y a la paille là. Il en reste, et ceux qui restaient de paille, ben, ils l'ont mis ici. Mais regardez. Voilà. C'est exactement ce que je vous dis dans ce lieu magique. Et bien sûr, c'est une maison de moine. Là-bas, il y a une autre maison de moine que je connais très bien aussi. Donc, on a fait un peu le tour. Je vous ai un peu raconté l'histoire justement de ce temple-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça va vous donner aussi envie de venir découvrir ces choses. Mais pas là, mais yai, non là, non là, non là, non là. Ni mais yai, sabadi, sabadi. Voilà, la grand-mère qui est là, c'est une méchi qui est ici. Voilà. Écoutez, regardez comment c'est calme. Voilà, petite vidéo d'Eric Thailand, le tour du temple du moine de la forêt. Un grand moine, vraiment très très gentil, vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que quand je viens ici, je suis bien accueilli, je suis bien aussi dans ce magnifique site. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. C'était la vidéo d'Eric Thailand.